Zins, c'est réellement un produit dont on a rêvé pendant des années. Ça va être très important de pouvoir communiquer sur cette application. Je trouve que c'est très intéressant d'entendre, comme on en a entendu parler aujourd'hui, de complémentarité print digital. Les lecteurs me trouveront plus facilement. Ce que Zins peut apporter et va apporter, c'est effectivement un élément de service très important. Un kiosque est un lieu par définition exigu. Contrairement à des grandes maisons de la presse où on a sur 10 mètres carrés maximum potentiellement 1000 ou 1500 titres présents. C'est vrai qu'une grande partie de la clientèle ne voit pas l'offre titre réellement disponible, et c'est vrai que cette application permet réellement de la rendre visible pour simplement venir la chercher en kiosque. Je suis d'une revue qui existe depuis plus de 50 ans. Et les gens qui ne nous connaissaient pas encore vont nous connaître, vont découvrir la richesse de nos titres et de notre histoire. On a des marques anciennes sur lesquelles on a du mal vraiment à renouveler notre cible acheteuse. Et donc pour nous, c'est vraiment faire de la visibilité auprès de nouveaux lecteurs. Également, de par l'outil en tant que tel et l'utilisateur, de pouvoir rajeunir aussi nos cibles. Les acheteurs de vente au numéro, on le sait malheureusement, sont majoritairement des quadras ou des quinquas en âge moyen, et que ce type d'application permet de garder une forte visibilité pour la presse magazine et d'attirer évidemment des teenagers et des geeks autour de quelque chose qui est important mais qu'il faut en permanence redynamiser, qui est l'accès physique à la presse via le kiosque. Si les mots-clés et les recherches, on peut mettre mes mots-clés qui sont modélisme, c'est vrai que là je vais ressortir plus facilement dans Zins que dans un point de vente où le marchand ne me connaît pas forcément. J'étais très intéressée par la partie popularité, parce que clairement notre communauté est très forte, donc pouvoir les faire réagir sur une couverture en utilisant ces fonctionnalités de partage qui pourront booster la popularité de la couverture et donc du magazine. C'est, je pense, une passerelle entre le monde physique, le papier et les kiosques que je représente, et puis évidemment un écosystème qu'il faut impérativement intégrer. Moi, je suis depuis le début très intéressée également par cette fonctionnalité de géolocalisation, parce que j'ai un magazine et j'ai fait le choix avec ce magazine d'avoir un taux d'invendu assez faible, parce qu'un magazine coûteux à fabriquer, donc j'ai besoin que mes lecteurs puissent se trouver facilement le magazine. Fidélisation quand même, puisqu'effectivement, même si on a des dates de parution assez régulières, on est sur des bimestriels, trimestriels, donc qui effectivement dont les jours ne sont pas forcément calés dans l'esprit du consommateur, donc c'est pouvoir, en fonction des alertes, donner un rendez-vous. Et l'ensemble des éditeurs, je pense, est extrêmement excité de pouvoir mettre à disposition de nos lecteurs et de nos consommateurs, et des gens qui fréquentent les points de vente, une application qui va leur permettre de retrouver l'ensemble de la presse dans les points de vente, au bon endroit, au bon moment. Et les fonctionnalités qu'ils ont présentées me semblent tout à fait répondre aux besoins d'évaluer.